Amicia, elle est réveillée. Calme-toi, Amicia. Echo. Chut. On a retrouvé ta trace avec Arthur. Tu as disparu pendant 3 jours, Amicia. Tu es passée à 2 doigts de la mort. Echo. Laissez-moi. Allez, arrête de rêver. Va voir les autres. Les rats vont bientôt sortir. Il faut allumer les feux. Mais c'est pas vrai! Allez! Non, allez, ouvre-toi, je t'en prie! La serrure est encore gelée? Oui. L'hiver est rude cette année. Je crois que Roderick travaille dans la cour. Tu te sens mieux? Un peu. Tu as encore rêvé de lui? Oui. Je vais te préparer une décoction de millepertuis et de... Non, merci, Lucas. Il me manque, c'est tout. Je dois accepter qu'il ne reviendra pas. Comme tu veux. Bon, je vais aller voir les autres. Oh, tu peux dire à Mélie pour le... Le coffre? D'accord. Oh, Mélie va encore me dire, bah, t'as qu'à pisser dessus. Oh. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est Hugo qui aurait dû te trouver. On n'a jamais eu autant de pommes. Hugo se serait rendu malade avec ça. Roderick n'a toujours pas pu avancer les travaux à cause de la neige. Et moi, je veux rester ici. Ah ouais? Et si... Et si... Et si... Et si toi, t'arrêtais de vivre comme un animal? Oh... Salut, Amicia. Salut. Ça va, vous deux? Tout va bien, oui. Arthur veut juste se tirer encore une fois. Tu m'emmerdes! Je veux nous garder en vie, c'est tout! Comme on a toujours fait! Hé... La nuit va tomber, il va falloir allumer les feux. Arthur, tu m'aides? Vas-y. Et la fais pas trop chier. Pourquoi je la ferais chier? Parce que t'es chiant, voilà pourquoi. Au fait, Lucas a besoin d'aide avec son coffre. Tu parles. Il veut juste me voir. Ta. Bon, quand tu veux, Amicia. Allez, mettons les brasiers en place. Commence par... Par celui-là. Oui, je sais. Ça fait des semaines qu'on suit la même routine, Amicia. Désolée, ça m'aide à dormir de savoir que la fosse est sécurisée la nuit. Alors, ça va? Je me sens vieille. T'es pas mal pour une vieille. Merci. Tu sais, je connais pas beaucoup ton frère, mais... Il t'aimerait bien. Tu crois? Tu nous as sauvés. Tu t'es fait prendre, tu t'es échappé. On dirait le héros d'un livre. Un héros? Mais il aurait été triste que tu partes. Ah. C'est bon. Ça suffit, j'en ai marre. Tout va bien, Roderick? Ouais, ça va. Il va marcher. Hein, qui va marcher? Tu vas marcher, je te dis. Hé, hey, tu calmes. Si tu casses tout... Oh. Oh. Ben voilà, ça marche.
Maintenant, les brasiers resteront à leur place. La méthode Roderick. On sait pas comment, mais ça marche. Vous avez plus qu'à essayer. Tout de suite. Bon, tu prends celui-là. Je m'occupe de l'autre brasier. Quand t'es prête, on y va. Allez, et amène bien le brasier jusqu'au bord. Alors, tu as fait des prouesses? Ouais, tu m'en diras des nouvelles. Je vais me laver, je vous laisse. Tu sais, aucun rat pourra escalader cette fosse. Ce système est là pour une bonne raison. Ce système n'arrêtera pas des soldats entraînés. Arthur, Mélie est fatiguée de courir. Mélie et moi, on n'est pas comme vous. Mais peut-être que Mélie n'est pas comme toi non plus. C'est bon, j'ai compris. Je te laisse le brasier du rempart. J'allume cela. Je te jure, je l'ai poussé tout seul. Un chariot de la taille d'une vache. Mais arrête de rire, c'est pas drôle. Je t'imagine en train de pousser une vache. Je te jure, c'était héroïque. Il y avait des rats partout. Demandez à Amicia. Tu vois, dis-toi qu'on a quelque chose à nous ici. Et on a besoin de gens comme toi pour le sécuriser. Je vais y penser. Voilà, c'est bon pour moi. Il y a un problème ? Je vais t'ouvrir un chemin de mon côté. Brasier en place, ramène tout. C'est quoi ce bruit? Ils se regroupent. Ils vont éteindre les feux. Merde. J'ai plus d'unifère, Amicia. Je vais pas pouvoir t'aider. Je vais me débrouiller. Amicia, je t'approche un brasier. Essaye de l'atteindre. D'accord, je compte sur toi. Tiens bon, je te rapproche l'autre. Fais vite, s'il te plaît.
Amicia, notre homme adora. Ne te lâche pas, tu vas sortir de là. L'autre. Fais vite, s'il te plaît. Amicia, notre homme adora. Ne te lève pas, tu vas sortir de là. Mon Dieu, j'y croyais plus. Ça va? Oui, merci.
À toi maintenant. Le brasier, de ton côté. Je te l'amène. Tu t'en sors? Ouais. Je préfère être ici que... en bas. C'est quoi ce bordel, Amicia? Ils ont déjà essayé d'entrer, mais jamais comme ça. Qu'est-ce qu'il leur prend? J'en sais rien, moi. On aurait dit... une sorte d'attaque. Tu te fous de moi? C'est des rongeurs, pas l'armée anglaise. Mais ils savent... c'est... merde! Je savais bien qu'on aurait dû se tirer. J'ai vu ça qu'une fois. Amicia, je crois que... à la maison. Toi. Je m'en occupe. Je me sens pas très à l'aise. Je peux pas aller plus vite. Rejoignons les autres à l'intérieur. J'espère qu'ils vont bien. Si les rats sont entrés... Amicia, c'est plus des enfants. Ils ont l'habitude. Je ne veux plus prendre aucun risque. Je ne veux plus perdre personne. Ce que je voudrais vraiment, c'est être très loin d'ici. Bah, je suis pas magicien. Est-ce que ça va? Non. C'est quoi ce bordel? Arthur, t'as pas été mordu? Non, ça va. Faut qu'on se tire d'ici. Mais le château est fait pour résister à... Lucas, il y en a jamais eu autant. Tu vois bien que ce n'est pas une simple invasion. Par ici! Vite! Et fais ce que tu dois faire. Hugo... viens! Hugo... c'était Mélie, lui. Qu'est-ce que tu fous avec cette porte? Lui. Elle veut pas Amicia. Souffrir! Qu'est-ce toi. Qu'ils ont fait? Les rats! Il les contrôle, oui. Voilà. Avec la macula. Bon, on va sortir. Pas de panique. Le château a été pensé pour ce genre de situation. Mais non, il est foutu, ton château. Les rats passent ses dépenses comme dans du beurre. Attends, je dois parler à Hugo. Je peux... Paul, dois se tirer. Il a raison, Amicia. Allez, passez. Non. Non. Hugo, c'est moi, Amicia, ta sœur. Tu l'as, petit. Et peut-être que Vitalis te gardera à ses côtés. Hugo, non. Allez, gamin. Elle n'est plus rien pour toi. Je l'ai cherché partout. Qu'est-ce que tu attends, porteur? Passe ce satané seuil. Ne l'écoute pas, Hugo. Assez. Je vais l'offrir. Tu l'as, petit. Et peut-être que Vitalis te gardera à ses côtés. Hugo, non. Allez, gamin. Elle n'est plus rien pour toi. Je l'ai cherché partout. Qu'est-ce que tu attends, porteur? Passe ce satané seuil. Ne l'écoute pas, Hugo.
assez. Je vais l'offrir à tes rats. Ne le touche pas, espèce d'ordure. Ordure. Il s'est livré à nous parce que tu l'as trahi. Grâce à lui, Vitalis sera bientôt l'unique porteur de la Macula. Quoi? Non! Hugo est le seul porteur! Était. Son sang coule maintenant dans les veines du grand inquisiteur. Arthur, maintenant! On l'a eu, ce sale chien! Amicia. Arthur, va t'assurer qu'il est bien mort. Moi, je peux parler à Hugo. Vas-y, je m'occupe de l'autre. Hugo ? Hugo ! Je veux seulement te parler. Il ne peut plus rien faire, Hugo. Regarde. D'accord, d'accord. Je bouge pas. Viens, toi, si tu veux. Viens. Tu m'as menti. Non. Non. Hugo. J'essayais de te protéger. Je t'en supplie. De vivre dans l'ombre du porteur. Hein, Amicia ? Non ! Arrière ! Arrière ! Si vous ne voulez pas aller en enfer, c'est l'enfer qui viendra à vous. Il nous a tous eus. Et maintenant, qu'allez-vous ?
tout faire, hein? Venez à moi! Je vais brûler leur putain de bannière! Lily, t'as aucune chance! Ah ouais? Et toi? Tu vas faire quoi? Rester ici? Mais ouvrez les yeux! Regardez! Tu te rends pas compte de ce que tu dis? Je me rends compte qu'on crève, les uns après les autres! Ils ont eu mon frère, ton père, le vôtre! Il reste plus rien! Plus rien! Elle a raison. Amicia? C'est de la folie. On est 5 contre une armée. En fait, on est beaucoup plus maintenant. Il a passé le seuil ? Oui, je crois. Et toi, Hugo, qu'est-ce que tu en dis ? Je veux sauver maman. Ça change beaucoup de choses. Quitte à ce qu'on meure, qu'est-ce qu'on a à perdre ? Nous ? Rien. Mais Vitalis, il s'attend pas à nous voir venir. Alors on y va. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort.